Selon certaines sources à Paris, le président Macron aurait demandé au président Alassane Ouattara de l'éclairer sur les bases juridiques qui l'autoriseraient à briguer cet autre mandat. Après les échanges entre les deux personnalités, selon toujours notre source, le président français craignant pour l'issue incertaine que prennent ces événements en Côte d'Ivoire et craignant aussi de perdre un allié de poids dans la sous-région ouest-africaine, aurait fait des propositions à son homologue ivoirien en vue de calmer les esprits et éviter ainsi une grave crise électorale. Pour convaincre son homologue ivoirien, le président français aurait sollicité l'aide de l'ex-président français Nicolas Sarkozy, ami intime de M. Ouattara. La première proposition serait que le président Ouattara, par un sacrifice ultime et dans le but de garantir la paix sociale dans son pays, revienne sur sa décision de briguer à nouveau un autre mandat, même si la loi l'y autorise, et de désigner ensuite un autre candidat du RHDP à qui Paris apporterait tout son soutien. La seconde proposition serait que si son homologue ivoirien désire maintenir sa candidature pour, selon lui, garantir la paix, le développement et la stabilité en Côte d'Ivoire, alors qu'il accepte d'ouvrir le jeu électoral à tous les candidats qui souhaitent y participer. Pour cela, le président français aurait proposé à M. Ouattara de prendre un décret autorisant à tous d'être candidats sans exception, y compris l'ex-président Laurent Gbagbo, M. Soro Guillaume et toutes les personnalités qui le souhaitent. Selon toujours ses sources, M. Ouattara aurait, et je dis bien, aurait opté pour la seconde proposition. Maintenant, il s'agirait de trouver et mettre en place les derniers réglages pour que les deux propositions pour laquelle aurait opté le président ivoirien s'appliquent sur le terrain en Côte d'Ivoire. Ainsi, dès son retour, le président Ouattara devrait rendre publique cette décision prise à Paris.